investisseurs j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous sommes le mercredi 26 juillet 2023 et je vais faire une suite à la vidéo de comment préparer un bull run donc je répète je sais pas si le bull run il va arriver en 2023 2024 2025 en bon, sachant que black rock rentre dans le marché je pense que le système de halving il est fini surtout par rapport à ce que les mineurs vont engendrer comme crypto-monnaie à partir du prochain cycle. En tout cas, c'est ma vision. Peu importe quand ça va arriver. Moi, ce que je veux avec cette vidéo, c'est de vous préparer ce qui peut arriver dans un bull run. Donc la première vidéo, c'était pour vous montrer que à chaque fois que vous entendez sur internet, les gens vous disent :« Oui, on va aller faire des nouveaux plus hauts, on va faire des ATH, on va faire des fois 100, des fois 1000 Non, il y a trop de projets en cours. Pendant un bear market, on purge les projets, les mauvais projets, ils meurent. Et malheureusement, les projets qui ne vont pas mourir et qui sont des mauvais projets, ils ne vont pas réussir à remonter au niveau des précédents ATH. Et encore pire, ils ne vont pas réussir à faire des nouveaux ATH. Et là, la vidéo d'aujourd'hui, c'est justement pour vous préparer sur un bull run. Et je vais vous montrer des, des crypto-monnaies où justement on voit que il commence à résister dans le bear market, et je vais vous expliquer pourquoi. Allez, c'est parti. Donc, tout simplement, on va commencer par Ethereum. Donc, comme je vous ai déjà dit, je le répète comme ça, c'est clair pour tout le monde. Ethereum, c'est déjà son deuxième cycle. Pendant son premier cycle, le bear market a été très très fort. Donc on était été chercher une correction, hop, de moins 95%. Et qui est tout à fait normal. J'ai acheté de l'Ethereum à moins de 100 euros. J'ai pas arrêté de le dire sur la chaîne YouTube et au VIP. J'ai pas fait mon malin quand j'ai acheté l'Ethereum à moins de 100 euros. Parce que, on écoutait les gens sur internet, le projet était mort. Mais moi je sais très bien que le premier cycle, c'est le plus dur pour un projet, même au niveau des actions. Quand on tombe sur une première crise, alors que l'action a connu que un mouvement haussier, on sait très bien que la correction, elle va faire très très mal. Parce que les gens qui ont acheté très très bas, avec le marché, il a été très haussier. Ben C'est les gens qui vont vendre tout en haut. Le peu qu'ils ont acheté ici, ça va faire très très mal au marché. Donc premier cycle moins 95%, deuxième cycle. Donc celui qu'on connaît Hop, on est déjà moins 81% donc là on voit que ethereum tient très bien le bear market d'ailleurs au niveau des niveaux donc de retracement de Fibonacci on n'a même pas touché les 89,3% de retracement on était cherché les 78,6 donc ça c'est très très bien et c'est le bas du rectangle pour les investisseurs Donc là vraiment, ça veut dire qu'on a été cherché juste en dessous. Bah, c'est très très bien. C'est à dire que la valeur elle est forte, euh, elle ne s'est pas aplatie. Et pareil, à chaque fois qu'on finit un cycle, le but c'est de faire des bas de bear market de plus en plus haut. Si on fait des bas de plus en plus haut, c'est signe comme quoi il y a de l'intérêt dans la valeur et que bah oui ça corrige on est dans une phase de correction, mais c'est acheté massivement. Parce que ce qui évite que le projet bah, il retourne très très bas, c'est qu'à un moment donné, dans les niveaux pertinents, ce qu'on est actuellement, bah, les gens achètent massivement. Donc, ça c'est pour Ethereum. Donc, pour vous montrer vraiment la différence entre une grande correction et une correction raisonnable, en sachant que le deuxième cycle, en fait, c'est encore assez jeune pour une valeur. En crypto-monnaie, les cycles, c'est de plus ou moins 4 ans. Dans les actions, il n'y a pas vraiment de cycle. Ça dépend les crises, ça dépend plein de facteurs. Ça peut être 5 ans, comme ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans. Ça dépend vraiment le marché et dans quoi la société elle travaille. Donc là, visuellement, au niveau de la théorie, ce que je vois sous les yeux, c'est vraiment très très bon au niveau d'Ethereum. Donc là, on va voir Atom. Atom qui est sur son premier cycle. On a été chercher des 89,3, ce qui est pas mal du tout pour un premier cycle. Donc c'est pas une valeur qui s'est complètement rétamée, donc ok, c'est moins 87, presque moins 88%, mais au niveau du retracement par rapport à l'augmentation de la valeur, je trouve que tout ce qui est au-dessus du retracement Fibonacci 89,3 et 89,3 ça veut dire que la valeur, elle a quand même bien résisté. Je rappelle que Ethereum n'a pas réussi à être au-dessus de 89,3 lors de son premier cycle. Mais quand on regarde Atom, Atom, ce n'est que son premier cycle. Et donc, Matic, qui est sur son premier cycle, et pareil, Matic qui tient très très bien la correction. Donc là, Matic, on est chez les 89,3, et on voit le prix directement et a réagi. Donc, ça, ça c'est vraiment le signe comme quoi la valeur est très très forte. Là, justement, on parlait de EGLD. Du coup, j'ai pris l'exemple. EGLD n'a pas tenu la correction comparée à Matic, à Cosmos, Ethereum. En même temps, c'est son premier cycle. Là, il fait exactement la même chose qu'Ethereum. C'est pas comme si ou, la valeur elle était revenue presque à ses niveaux d'origine. Non. Ok, c'est une correction qui fait très très mal, plus mal que forcément Matic Cosmos. Là, on a une correction de moins 95%. Mais ben là, c'est vraiment une purge. Là, sous cette valeur, ben en fait, les gens se sont fait plaisir, ils ont bien vendu. Et donc, lui, ça corrige fortement. On n'est pas non plus à revenir sur les points d'origine du projet ou pire être en dessous des prix d'origine. Parce que le pire qui peut arriver pendant un bear market, c'est voir le prix descendre en dessous du prix d'origine. Et là, ça veut dire que malheureusement, on n'est plus dans une grande 1, 2, 3, 4, 5. On doit redémarrer un cycle. Et redémarrer un cycle, en aucun cas, ça vous garantit de faire de nouveaux ATH. Et c'est pas tout. Je voulais vous montrer aussi sur Wave. Donc attention, Wave. Ne fait pas partie de mes cryptos que je partage dans le VIP et dans le premium. C'est juste une crypto que j'ai pris à titre d'exemple. Parce que c'est le genre de crypto que bah, par exemple moi j'ai acheté. Et je vais vous montrer le travail qu'on occupe de faire avec le, le VIP et le premium. Et surtout, ça, ça sert aussi cette vidéo d'explication supplémentaire pour les VIP et les premium. Donc là, ça va parler du coup à tous les VIP. Donc là, ça va parler à tous les VIP. On va faire comme si, hop, voilà le bull run. On est avant, on est comme ici. Je suis occupé de regarder pour analyser le marché. Je vais tracer quoi Je vais tracer les deux cercles de Fibonacci. Et je vais tracer les objectifs d'extension Fibonacci. Je vais tracer donc le rectangle de distribution des Wells. Donc là, c'est tous les niveaux que je vous partage, les VIP. C'est vraiment pour vous que je veux la vidéo. Et je vous montre, donc, avant que le marché y monte, les objectifs qu'on peut atteindre, mais juste en plaçant froidement nos ordres. Et donc là, on voit que le rectangle de distribution des Wells, on est ici, le premier palier, il est vendu. Le palier d'extension de Fibonacci à 161.8, il est vendu. Le deuxième à 200%, il est vendu. Le troisième palier à 261.8, il est vendu. Les deux paliers de sa aussi. Par contre, le palier 423.6, il n'est pas vendu. Si à ce moment-là, j'ai gardé un palier supplémentaire au cas où la crypto-monnaie explose plus fort, j'ai au moins deux paliers qui n'auraient pas été vendus sur ce projet. Et quand on regarde au niveau Fibonacci, donc là en fait j'ai mis aussi donc, une figure chartiste avec l'objectif, c'est ce que j'avais tracé euh, anciennement pour le VIP quand on était en 2021, et donc oui, on a été chercher mon objectif des 56 dollars, qui était en fait l'objectif du triangle. Et après, au niveau du RSI, euh, on n'a pas été chercher le niveau ici, donc je ne l'aurais pas vendu. Par contre, à partir du moment qu'on a eu la remontée ici, on a eu la même chose ici, là, j'aurais vendu certainement mon palier. Donc je pense que j'avais au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 paliers sur 10 que j'aurais vendu pendant le cycle 2021. En vous montrant sans voir le cycle 2021, c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc c'est le même travail que je fais. La, vie, la précédente vidéo c'est pour vous montrer que oui, il y a un risque qu'on va chercher plus haut que le rectangle de distribution. Et puis il y a un risque à un moment donné, comme la liste que je vous partage est vraiment des bons projets. Ça se si dit, on va avoir des projets, ils vont partir hein. et comme des fusées. Vous allez vous dire, ben merde, j'ai vendu un tas de paliers très bas. Et en fait, on se retrouve très très haut. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est la moyenne du portefeuille qui est vraiment important et si la valeur elle explose en fait les paliers qu'on garde en réserve ces paliers servent justement à ça la valeur elle explose mais on va pouvoir vendre distribuer beaucoup plus haut donc je voulais absolument vous faire une vidéo de pourquoi je fais ce travail en avance c'est justement pour éviter de devoir suivre toutes les valeurs tous les tous les jours ça permet de pouvoir placer ces paliers et suivre le marché si à un moment donné j'ai un doute que le cycle est fini si je dois prendre du bénéfice si à un moment donné toutes les valeurs elles sont occupées d'exploser et que fait, on n'arrive que à 261.8 d'extension Fibonacci certainement que je vais prendre un palier supplémentaire mais je rappelle on ne vend jamais à 100% nos valeurs jamais même si la valeur comme ici a monté à corriger, si vous n'avez pas tout vendu vos paliers, c'est pas grave. Ça a monté, ça a descendu. Ben là, s'il me reste deux paliers, ben c'est pas grave. Je peux les garder pour le prochain cycle. Et si le prochain cycle ben, va chercher plus haut, ben ça permet de distribuer plus haut les deux paliers que j'avais gardés. Et limite, c'est comme si je les avais vendus à des bons prix, bien plus haut que le Bullrun 2021. Et donc, c'est tout ça que j'essaie de vous apprendre dans le VIP. Donc voilà, j'espère qu'après cette vidéo ce sera beaucoup plus clair pour tout le monde. Et que oui, effectivement, il y a des crypto-monnaies. Là, je vous montre des exemples rationnels. Pour justement que la théorie, ça soit plus facile pour vous. Mais il y a des crypto-monnaies où c'est où ça va être irrationnel. Et ça, j'en suis conscient. Il y a des crypto-monnaies, je vais vous remettre des ordres comme ici. Et au final, on va aller chercher des objectifs de fou. Et ça, c'est quelque chose qu'au niveau de l'analyse. Il n'y a personne qui peut prévoir ce genre de mouvement. Et comme on ne prévoit pas, on n'est pas voyant, on analyse le marché, on va garder des paliers pour le scénario où, oui, ça explose. Si ça explose et qu'il vous reste deux paliers, trois paliers dans le marché, vous allez être content que vos trois paliers, vous allez les distribuer beaucoup plus haut. Parce que vos trois paliers que vous allez distribuer beaucoup plus haut, ça sera largement plus que ce que vous avez déjà vendu, peut-être à x10, à x15, en fonction de certaines crypto-monnaies. Et si, justement, la valeur, elle ne monte pas comme prévu, qu'on va chercher seulement le rectangle de distribution des Wells, soit chez 161.8, et puis on s'écrase, ben ça permet au moins de prendre du bénéfice. C'est pour ça que j'arrête pas de le rappeler. Les règles pour investir, c'est... Vous achetez pendant les grandes corrections et dès que vous faites 100% vous enlevez votre mise de départ vous enlevez le risque le marché des crypto monnaies c'est assez facile de faire 100% si vous achetez donc pendant une grande correction il faut profiter de dès que vous avez fait 100% de récupérer votre mise et de travailler uniquement avec des gains ça c'est quelque chose qui est vraiment important Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.